Bonjour et bienvenue au cœur des réserves naturelles du Mont Coronat. Événement du moment. Après 100 ans d'absence sur le massif du Marbre Coronat, le Gypaète Barbu signe son retour naturel, avec succès, avec pour la deuxième année consécutive une naissance d'un jeune. Le moment que nous attendions tous, le résultat des élections pour donner un joli nom à ce jeune Gypaète. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46. Essayez de faire des groupes distincts quand même, autrement il risque d'y avoir des contestations qui vont durer toute la soirée. Tu es d'accord avec moi, Vincent? Ah, tout à fait. Retour en arrière sur cette originale campagne électorale, mobilisant la population des vallées et même au-delà, grâce au soutien du journal de l'Indépendant et des réseaux sociaux. Sept écoles du Conflent ont activement participé à cette action. Les équipes des réserves naturelles ont participé pour sensibiliser les élèves au Gypaète. Étape essentielle pour la recherche d'un joli nom. Gypaète. Aetos. Corogine. Vol de feu. Cercle rouge. Chiara. Eros. Cristal. Cercle de feu. Barbichette. À partir de 248 propositions récoltées, il a fallu faire une sélection. Un jury a été composé et 6 noms ont été sélectionnés. Achourite, Gypaète, Gypsy, Moka, Plume, Vol au vent. Pour une soirée électorale réussie, 3 ambassadrices, 3 ambassadeurs, parité respectée, auront à promouvoir les noms sélectionnés et il n'en restera qu'un. Problème que, ben voilà, j'aime toujours voir le JIPA dans le ciel et tout ça. Et ça me rappelle ma maman. Et tout ça. Et donc maintenant, il faut que vous le votiez pour Vol au vent. Ça me rappellera ma maman. Stop. Il s'appelle comment ce petit? Il m'a dit, bah, on n'est pas sûr, on aimerait bien l'appeler Achourite, mais on n'est pas sûr encore. C'est joli Achourite. Et puis il a besoin d'être vraiment dégourdi. Oh, il paraît qu'il me ressemble un peu. Beau jeune Gypaète qui vient de prendre son envol devrait s'appeler Plume. Moi je le vois léger parce que je le vois planer, je le vois prendre les courants et puis j'ai ces images quand on a travaillé avec mes élèves de la paranuptiale de nos Gypaètes. Ils s'accrochent les uns les autres, ils tournoient, ils se laissent tomber dans le vide. Là ils jouent avec l'apesanteur et puis après ils se lâchent. Et il se relaisse porter par le vent, telle une plume qui va, qui vient, qui se laisse avoir aussi au gré des courants d'air. Car pour moi, tu es une belle femelle. Et nous avons besoin de la valeur féminine dans nos sociétés et dans les ciels de nos montagnes. J'espère que toutes les femmes de la vallée ils vont m'aider pour choisir le prénom. Gypaète, tu aimes te maquiller et colorer ton plumage. Ton plumage avec Gypaète. Les habitants de la vallée de Noé de Conat te saluent. Vous êtes prêts? Jacques, c'est parti. Ce prénom, c'est celui qui va le mieux à cet oiseau. Les autres prénoms, aussi jolis soient-ils, ne sont que de petits prénoms. Quand vous connaîtrez celui que je défends, vous serez d'accord avec moi. Ça évoque la liberté, le voyage, la fantaisie, l'indépendance, l'espace, la pluie, le vent, la solitude, la nomadise, les paniers en osier, les feux de bois, la guitare, les roulottes, les fêtes endiablées, le flamenco, et j'ai nommé Gypsy. Citoyennes, citoyens, habitants de la vallée, donc je lance un appel à tous les électeurs régulièrement inscrits auprès de Pascal pour voter et faites voter pour Moka. N'oubliez pas, cette soirée électorale s'inscrit dans le cadre de l'apéro du bestiaire pyrénéen. Philippe Serre de Pyrénées Vivantes
est avec nous en direct du Béarn. Bonjour Philippe, peux-tu nous parler de ce que c'est qu'un apéro du bestiaire pyrénéen ? Eh bien merci, effectivement on a cette soirée électorale de Noël qui s'inscrit dans le cadre d'une opération qui s'appelle les apéros du bestiaire pyrénéen. Cette soirée apéro du bestiaire pyrénéen est une création du réseau éducation Pyrénées Vivantes qui est un réseau transfrontalier à l'échelle du massif des Pyrénées et qui a développé ceci depuis une douzaine d'années. 120 apéros du bestiaire pyrénéen sur l'ensemble du massif et ce réseau qui travaille en coopération entre structures d'éducation à l'environnement depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. À bientôt. Merci Philippe et à bientôt. Au revoir. Revenons à la soirée électorale. Elle se poursuit et elle n'a pas encore rendu son verdict. Vous, les électeurs, les électrices, vous avez un rôle à jouer également. C'est parti. 30 secondes. 30 secondes. Chose importante, le vote, non pas à main levée, non pas dans une urne à bulletin secret, mais en dansant autour de l'ambassadrice, de l'ambassadeur que l'on a choisi. C'est pas mal. C'est le comptage comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Moment important, les résultats. J. Payette a donc rallié la majorité des suffrages avec pas moins de 87 voix contre 45 pour Gypsy. Bon, attention, le résultat, 87 pour Gypsy. Un moment, je vous en prie. Nous nous quittons sur quelques avis des électeurs. J'ai passé une bonne soirée et je suis ravie de voir que j'ai autant d'élèves qui sont venus, qui sont mobilisés et qui ont mobilisé leurs parents pour venir ce soir. Cette ambiance familiale avec à la fois des personnes qui sont... les trois âges sont là, quoi. Voilà, et ça, j'adore les soirées dans les villages comme ça. Ça marque qu'il y a vraiment une vie et que tout le monde est sensible à la protection de la nature. Soirée excellente. Fantastique. On s'est super bien amusé. On a trouvé un bel nom pour le Baby Jipette. Hein. Je crois qu'on a fait un bon boulot aujourd'hui. C'est ça. Ben, c'est vraiment une magnifique soirée. Et moi, je suis très, très heureuse d'avoir participé à ce grand moment historique. Et puis surtout, très convivial. J'ai vu que Jipette, il fédère beaucoup de monde. Il fédère vraiment. C'est vraiment intéressant. Se reproduire, on va revenir parce que c'est trop super comme histoire, en fait. Donc oui, ça va, on sera fidèles quoi, à ce type d'événement, il n'y a pas de souci. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres observations depuis les réserves naturelles catalanes. La naissance de J. Payette est un symbole fort, celui d'une harmonie retrouvée entre la biodiversité et les activités humaines de la vallée. Le Jipaète barbu est l'un des plus grands rapaces d'Europe. Le Jipaète barbu fait presque 3 mètres d'envergure.
Le gypaète est appelé le casseur d'os, ou trinquant à 50 talents. Il se nourrit d'os et de tendons, non de carcasses, de brebis, d'isards, etc. Il laisse tomber son os sur une pierre. Il est de retour depuis 5 ans. Après plus d'un siècle d'absence, c'est un retour naturel.